非常受到台湾观众喜爱的人形机器人剧场再次来台湾了。继改编契诃夫的经典剧作《三姐妹》之后，日本导演平田之佐再次挑战卡夫卡的《蜕变》。《蜕变》这个剧情描述男主角一觉醒来变成了机器人的故事，他要探讨沟通在家庭里面的重要性。这出日法合制的作品邀请到坎城影后伊莲雅各担任女主角。第一次跟机器人演对手戏，伊莲雅各说非常有趣。当然，她也要接受机器人偶尔会发生故障的情况。继2013年《三姐妹》人形机器人版来台演出备受好评后，日本青年团导演平田之佐带来改编卡夫卡经典的《蜕变》。剧情描述主人公一觉醒来就变成了机器人，该如何去面对家庭的成员？原作との違いは、原作この私の作った変身の一つのテーマ、コミュニケーションについてです。原作では虫なのでコミュニケーションが取れないことによってどんどんこう孤独孤立していくんですね。しかしこのロボットはですね、コミュニケーションが取れるために家族との関係を取り戻していきます。私は人間を人間たらしめているものはコミュニケーションだというふうに考えているので、そのことをテーマとして作品を作りました。导演平田之佐将剧情的年代设定在未来，试图透过机器人跟人类日常生活的对话，讨论人跟机器人的存在到底有什么不同。面对人工智慧的高度发展，生命的本质又该去如何定义？ロボットはただの機械ですけど、ある人にとっては家族同然になるかもしれません。200年後ぐらいにはロボットと人間は区別がつかなくなってしまうかもしれません。Mais alors, ça veut dire que ça voudrait dire que les années pourraient passer, vous auriez quelqu'un qui ne meurt jamais. Ça alors? En fait, à l'époque où il était difficile de diagnostiquer la mort cérébrale, il y a même eu des cas où on a continué de maintenir la respiration de manière artificielle.Jusqu'à ce que le cerveau ait commencé à se dissoudre. 这出日本法国合制的作品由坎城影后伊莲雅各饰演母亲一角，第一次跟机器人演对手戏，她坦言排练的过程十分的特别，从跟真人的排练到配合机器人的节奏，有时还得面对机器人故障的情况。Et pour moi, jouer avec le robot, c'est un petit peu comme jouer avec une marionnette, c'est-à-dire que nous donnons vie au robot par nos relations, nos réactions. Nous lui donnerions un peu de vie.横跨了不同的文化，蜕变试图预言未来情景，替卡夫卡作品注入新的时代意义，并且重新思索人的存在状态。Je voulais aussi dire que cette pièce se passe en 2040, et donc il y a déjà un aspect un peu science-fiction. Et aussi dans l'univers de Kafka, il y a toujours le côté étranger et puis l'étonnement. J'ai l'impression que dans cette pièce, on est vraiment dans un endroit que on ne connaît pas.On essaye qu'on explore un endroit qu'on ne connaît pas, un monde où un robot pourrait interagir. Et c'est en ça que c'est un peu de la science-fiction. 人的存在意义是什么？机器人版的蜕变，透过人跟机器的对话反复讨论，展现出人类的荒谬本质。